Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un petit résumé de la leçon des combustions pour la deuxième année collégiale parcours international avec des exercices corrigés. Donc, regardez. On va voir la combustion du carbone. Donc, tout d'abord, la combustion est une opération dans laquelle on brûle une matière. Donc, ça veut dire lorsqu'on brûle une matière, on dit c'est une combustion. Et le carbone, c'est quoi le carbone? Le carbone est toute substance constituée des atomes de carbone. C'est-à-dire toute matière qui se compose seulement des atomes de carbone C, on dit c'est une matière qu'on peut appeler carbone. Exemple. Le charbon en bois, c'est du carbone. Le graphite qu'on trouve dans le crayon à écrire, c'est du carbone. Le diamant, la matière qui est très cher, c'est du carbone. Expérience. Donc, on va voir la combustion du carbone. Pour cela, il faut allumer un petit morceau du carbone ou du charbon en bois. Puis, on va introduire ce petit morceau dans un flacon qui contient le dioxygène pur. Donc, je prends un petit morceau de carbone de couleur noire, puis j'allume, j'enflamme ce petit morceau avec une flamme. Je constate qu'il y a seulement une combustion avec une incandescence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flamme. Donc la combustion du carbone dans l'air se fait avec une incandescence, ça veut dire sans flamme, une partie seulement rouge. Lorsque j'introduis ce petit morceau de carbone dans une bouteille qui contient le dioxygène pur, je constate que la combustion devient très vive. Puis il y a dégagement des étincelles, puis il y a formation d'une flamme. Après quelques secondes, je constate que la combustion va s'arrêter car le dioxygène va être consommé par la combustion. Après l'arrêt de la combustion, je vais ajouter l'eau d'eau chaude dans la bouteille de combustion. Et après agitation, je constate que l'eau d'eau chaude se trouble. Donc, observation. D'après cette expérience, on observe que le fusain, c'est-à-dire le morceau de charbon en bois, brûle dans l'air sans flamme. Le charbon brûle vivement dans le dioxygène pur avec dégagement des étincelles et présence d'une flamme, puis elle s'éteint. À la fin de l'expérience, on ajoute l'eau d'eau chaude et après agitation de la bouteille, c'est-à-dire il faut mélanger fortement la bouteille, on constate que l'eau d'eau chaude se trouble, ça veut dire que la couleur de l'eau d'eau chaude, elle devient blanche. Conclusion. On conclut que le carbone, c'est une matière qui brûle, ou toute matière qui brûle s'appelle un combustible. Le dioxygène, d'après cette expérience, on conclut que le dioxygène est une matière indispensable, ça veut dire nécessaire à la combustion. Et dans ce cas, on appelle le dioxygène le dioxygène dans ce cas porte le nom le comburant. Au cours de cette combustion, il y a des corps qui disparaissent et d'autres apparaissent. On dit dans ce cas que la combustion est une transformation chimique. Ou cette transformation chimique est différente de la transformation physique. Car dans la transformation physique, seulement il y a changement d'état. Mais dans la transformation chimique, il y a changement de matière. On résume cette combustion ou cette transformation chimique par le bilan suivant. On écrit dans la gauche les matières qui disparaissent et dans la droite les matières qui apparaissent et entre les deux une flèche qui indique le sens de la transformation chimique. Donc cette écriture s'appelle le bilan de la transformation chimique ou le bilan de la combustion du carbone. Maintenant, on passe à une autre combustion, la combustion du butane. Le butane, c'est la matière qu'on trouve dans les bouteilles de butane. Et pour brûler en général un gaz, il faut utiliser un brûleur. Souvent, on utilise le brûleur de laboratoire. Le brûleur de laboratoire s'appelle le bec benzène. Le bec benzène. Regardez le bec benzène. Voilà un modèle de bec benzène.
Donc, un modèle, ça veut dire un dessin qui est très simple. Donc, voilà le modèle de bec benzène. Dans le bec benzène, on trouve la cheminée, puis on trouve le trou qui s'appelle la vérole, puis on trouve le robinet de bec benzène. Maintenant, on va utiliser le bec benzène pour brûler le butane. Donc, si je brûle le butane avec la vérole ouverte, je constate une flamme bleue. Mais si je ferme la vérole, je trouve une flamme orange. Ça veut dire je peux distinguer entre deux types de combustion. Deux types de combustion. Combustion avec flamme bleue et combustion avec flamme orange ou parfois on dit jaune. La combustion avec flamme bleue s'appelle la combustion complète. Par contre, la combustion avec flamme orange s'appelle la combustion incomplète. Ça veut dire ici, tout le gaz qui passe, elle brûle totalement dans le dioxygène. Mais ici, une partie qui brûle et une partie qui ne brûle pas. Si je vois dans la flamme une partie, soit une partie grande, soit une partie petite, de couleur jaune ou orange, je dis que la combustion incomplète. Si je vois toute la flamme est bleue, je dis que la combustion est complète. Donc, on peut dire qu'il y a deux types de combustion. Combustion complète et combustion incomplète. Donc, maintenant, on va voir la combustion complète. Donc, dans la combustion complète, pour avoir la combustion complète, lorsque la vérole est ouverte, dans ce cas, le dioxygène est suffisant à la combustion. Et on constate que la combustion se fait avec une flamme bleue chauffante, ça veut dire très chaude. Au cours de cette combustion complète, il y a disparition de butane et disparition de dioxygène, puis apparition d'autres choses, de la vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Pour tester la vapeur d'eau, il faut utiliser un récipient froid. Dans ce cas, je constate une buée dans les parois des récipients froids. Et pour identifier le dioxyde de carbone, il faut utiliser l'eau d'eau chaude qui se trouble en présence du dioxyde de carbone. Le bilan de cette combustion complète, donc on écrit à gauche les matières qui disparaissent ou les matières consommées. Et à droite, les matières qui apparaissent, on dit les produits. Donc, il y a deux matières qui disparaissent et deux matières qui apparaissent. Les deux matières qui disparaissent sont le butane et le dioxygène. Et les matières qui apparaissent sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Parfois, on écrit l'eau, mais c'est mieux d'écrire la vapeur d'eau. Pour la combustion incomplète. Donc, pour la combustion incomplète, lorsque la vérole est fermée, le dioxygène, dans ce cas, est insuffisant. Donc, il n'a pas une quantité suffisante. On n'a pas une quantité suffisante de dioxygène pour brûler tout le gaz de butane. Donc, la combustion se fait, dans ce cas, avec une flamme jaune, très éclairante, avec dégagement de fumée noire. Les produits qui apparaissent lors de cette combustion, dans la combustion complète, on a seulement deux produits, mais dans la combustion incomplète, on a quatre produits. Le produit 1, c'est la vapeur d'eau qu'on teste avec un récipient froid ou parfois avec le sulfate de cuivre. Le carbone sous forme d'une fumée noire, le dépôt noir, c'est la matière du carbone. Le dioxyde de carbone, CO2, qu'on peut identifier par l'eau de chaud. Et puis, il y a formation d'un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ce gaz, c'est un gaz très toxique. Son symbole, c'est CO, qu'on peut identifier par le nitrate d'argent. Donc, on peut identifier le monoxyde de carbone par le nitrate d'argent qui noircit en présence de monoxyde de carbone.
Remarque. Il faut faire donc attention. Pourquoi? Il faut éviter la combustion incomplète, car cette combustion, elle peut produire un gaz toxique comme le CO. Donc c'est un gaz toxique, donc il faut éviter toujours la combustion incomplète. Ça veut dire qu'il faut toujours éviter la combustion avec une flamme orange ou jaune. En général, les combustions en général, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses car elles peuvent provoquer l'intoxication. Elles peuvent provoquer, ça veut dire c'est la respiration d'un gaz toxique. Elles peuvent provoquer l'asphyxie, ça veut dire le manque de dioxygène. Elles peuvent provoquer l'explosion. Elles peuvent provoquer l'incendie. Donc, il faut faire attention au cours d'une combustion. Pour éviter ces dangers, il faut en général aérer les endroits de combustion. Exercice. Regardez le tableau. Donc, on va comparer la combustion complète et la combustion incomplète. Donc, regardez, la virole ouverte. Dans quelle combustion on a une virole ouverte? Dans la combustion complète. Donc, on va cocher combustion complète. Quelle est la combustion qui est produite de produits seulement? Donc, c'est la combustion complète. Quelle est la combustion qui donne une fumée noire? C'est la combustion incomplète. Par contre, la combustion complète ne donne pas une fumée noire. Quelle est la combustion qui possède une flamme très chaude? C'est la combustion complète. Quelle est la combustion qui se fait avec une flamme jaune? C'est la combustion incomplète. Quelle est la combustion qui produit des gaz toxiques? Ça veut dire la combustion qui est très toxique. C'est la combustion incomplète. Donc, quelle est la combustion qui se fait avec une flamme éclairante? Ça veut dire une flamme qui donne beaucoup de lumière. C'est la combustion incomplète. Quelle est la combustion qui possède une flamme de petite taille? Donc, la combustion incomplète donne une flamme de grande taille. Mais la combustion complète donne une flamme de petite taille. Donc, voilà. Exercice 2. Voilà la consigne de l'exercice 2. La combustion du gaz butane dans l'air produit deux gaz. Donc cette combustion, elle produit deux gaz. Comment elle est la couleur de la flamme est justifiée? Quelles sont les matières consommées? Question 3. Quels sont les produits et comment on peut les identifier? Donc regardez la question 1. Comment elle est la couleur de la flamme? Puisque la combustion du butane dans l'air produit seulement deux gaz, donc cette combustion est une combustion complète. Et la combustion complète se fait avec une flamme bleue. Donc, la flamme est bleue car c'est une combustion complète. Et dans la combustion complète, il y a seulement deux gaz. Mais dans la combustion incomplète, il y a quatre produits. Quatre produits. Quelles sont les matières consommer? Quelles sont les matières consommées? Donc, les matières consommées sont toujours dans une combustion, sont le combustible et le comburant. Le combustible dans ce cas, c'est le gaz de butane. Sa formule chimique, c'est C4H10. Et le deuxième gaz consommé, c'est le comburant. Le dioxygène. Toujours dans une combustion, il y a deux matières qui sont consommées, le combustible et le comburant. Le comburant, c'est toujours le O2 et le combustible, c'est la matière qui brûle. Dans ce cas, c'est le butane. La question 3. Quels sont les produits et comment on peut les identifier? Donc, les produits, puisqu'on a une combustion qui produit deux gaz, donc c'est une combustion complète. Et la combustion complète, elle produit seulement deux produits. C'est la vapeur d'eau, H2O, qui se condense sur les parois d'un récipient froid pour former une bouillie. Le deuxième produit, c'est le dioxyde de carbone, qu'on peut tester
Le dioxyde de carbone, CO2, qui trouble l'eau d'eau chaude. Exercice 3. Les combustions en général sont dangereuses. Donc, il faut faire attention. La question numéro 1. Pourquoi? La question 2. Comment éviter ces dangers? Donc, pourquoi la combustion est dangereuse? Car les combustions, la première chose, elles consomment le dioxygène nécessaire à la respiration. La deuxième chose, ils produisent parfois des gaz toxiques. Donc, il faut faire attention car les combustions en général, elles sont dangereuses. La question 2, comment éviter ces dangers? Donc, comment on peut éviter les dangers de la combustion? Les dangers, par exemple, l'asphyxie, l'intoxication, on dit. Donc, comment éviter ces dangers? Donc, pour éviter ces dangers, il faut aérer les locaux ou en ouvrant les portes et les fenêtres, parfois en utilisant des cheminées dans les endroits de combustion. Deuxième chose, il faut régler les brûleurs de combustion. Ça veut dire qu'il faut toujours éviter la combustion incomplète. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une combustion avec une flamme bleue. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.